Amis de la cuisine légère d'Hététique ou pas, aujourd'hui on va faire un gâteau. Ouais. Alors là, j'ai commencé par prendre des biscuits secs que j'ai réduits en poudre. Alors j'ai utilisé les moyens du bord et j'ai fini au hachoir. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de lait concentré non sucré à l'intérieur. J'aurai également besoin de 150 g de chocolat au lait et 50 g de chocolat noir que je vais faire fondre. Je mélange le gâteau sec avec un petit peu de lait concentré non sucré. Ça fait une sorte de pâte. Donc voilà, j'ai étalé la pâte au fond d'un moule. Je nappe la préparation de chocolat. Et je vais laisser reposer dans un endroit frais pendant au moins 4 heures. Voilà le gâteau biscuit chocolat est prêt. Donc je vais le démouler. Ce qui vient d'être fait. Alors, il n'a pas une surface complètement lisse parce que je n'avais pas de spatule adaptée. Mais bon, je vais le décorer un petit peu avec du vermicelle arc-en-ciel. Voilà, ça c'est un beau chocolat. Une interview bien heureuse. Voilà, c'est fini pour le gâteau. J'ai mis un petit peu de décoration, hein, du vermicelle arc-en-ciel pour pâtisserie. Bon, j'ai coupé là. Voilà ce que ça donne. En dessous, il y a un papier, hein. Donc c'est la partie biscuit, la partie chocolat. Bon, là, la déco s'est barrée. Vous voyez, c'est assez simple. Ça se fait avec juste des biscuits, un petit peu de lait concentré non sucré et du chocolat. Pour utiliser n'importe quel type de chocolat, en fait. Ça dépend de vos goûts à chaque fois. Le biscuit, c'est pareil. Ça dépend vraiment de vos goûts. C'est assez simple, donc faut un peu de patience. Sur ce n'est que du plaisir. Carpe diem. See you soon.